Coucou, nous sommes lundi 6 juin, c'est férié, et j'avais un petit peu zappé que, parce que j'avais dit que les travaux reprenaient les lundis, mais je me souviens plus que c'était férié, donc bon, l'artisan évidemment ne vient pas. Arrête bébé. Et bah, là je vais en profiter, je suis en train de faire le ménage, j'ai fait cet étage, là je vais m'attaquer à l'autre étage, et il faut que je retourne, en plus c'est ouvert, j'ai vu Brico, parce que bah, je vous explique, mais la peinture en fait, j'ai un doute, j'ai envie que ce soit encore plus foncé, donc je vais aller changer ça. Je suis en train d'aspirer là, au niveau des escaliers, et voyez la porte qui est ici, j'ai entendu, pendant que j'aspirais, un énorme boum à deux reprises. Et je me suis penchée, parce que là il y a du jour en bas, et j'ai vu des petits pas et tout, j'ai vu, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi je parle tout bas, donc je vais aller voir, mais il y a un énorme bas dans son bureau, il n'entend pas. Quelqu'un ? Effectivement, il y a un oiseau qui est en train de voler partout, là, merde. N'aie pas peur. Oh non, viens. J'ose pas le toucher, je veux pas que t'aies peur. Tu viens ? Tu viens. Viens, petit oiseau. Viens, mon bébé. N'aie pas peur, je vais pas le mettre d'en haut parce que je voudrais pas qu'il tombe. Mais oui, tu vois, je veux pas te faire de mal. J'avais déjà sauvé un petit oiseau. Mais t'es trop mignon, toi. Je vais m'occuper de toi. Chérie, tu peux venir? Du coup, vous avez vu ses petits yeux, comme il me regardait. Il était essoufflé. Je sais pas depuis combien de temps il faisait... Ouais, je me suis dit, je vais pas le mettre à l'étage parce que s'il a du mal à voler, qu'il tombe. Donc je l'ai mis là. Je l'ai déposé. Non, je crois pas que j'ai filmé. Il est parti tout de suite. Trop mignon. Oui, oui. Lui, il est frustré parce qu'il aurait bien voulu jouer avec. C'était un gentil petit oiseau. Eh oui, j'ai pas confiance, mon jaquette. Non, toi, t'aurais pas été très gentil avec. J'ai du volume, hein. Alors ça, vous voyez, mes cheveux, je les ai lavés hier soir. Et quand je les sèche pas, en fait, et que je les lisse pas, eh ben, ils ont beaucoup de volume, hein. C'est Shakira, la fille, quoi. Oh, j'ai un de ces volumes. Voilà. C'est cette couleur, alors vous allez me dire oui mais c'est chez Quatremur et Quatremur c'est pas peut-être chez toi tout à fait, mais ça c'est pas grave, je retournerai dans quelques jours chez Quatremur. Vous voyez le vert qui est très joli, hein, mais il sera pas suffisamment foncé comme je veux, j'ai vu, donc je crois que ça sera chez Brico, et comme c'est ouvert je vous dis, j'irai tout à l'heure. Par contre le papier peint, le vert, il sera beau. En fait ce que je veux, c'est parce que là c'est parfait, mais je veux qu'il soit encore plus foncé, moi, que le papier peint, la peinture. Et j'avais mon téléphone qui sonnait, et on va en profiter parce que finalement on a complètement oublié, on n'a pas les miroirs, les deux miroirs, vu qu'il va installer les meubles, il nous faut les deux miroirs avec les éclairages, donc soit la LED dedans, soit le petit spot au-dessus, il m'a dit qu'il pouvait faire les deux, donc en fait il y a des trucs encore là, cet après-midi, pour changer, donc on est chez Brico. J'adore celui-ci, le vert un peu tueux, la finition, mais quand tu regardes, attends, quand tu veux l'échantillon, le vert, il est quand même pas le même, hein. Donc c'est délicat, je ne sais pas. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout comme ça? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Bon déjà, j'ai pris la peinture, on verra bien. Et en fait, là, on cherche désespérément du café, on n'a plus qu'une dosette pour demain matin, donc autant dire qu'il en faut. Tout est fermé, donc là, on essayait de pousser un peu à 10 km, et j'ai dit, arrête-toi Eric, regardez la scène. Une photo de fou à faire entre les vaches et les... Qu'est-ce que c'est comme petit oiseau qui sont à côté? Il a fait un arrêt sur ma tête, lui. Allez, détends-toi. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Il cohabite avec les... Qu'est-ce que c'est comme... Je ne sais pas. Oh non, j'ai cru qu'il allait sur son dos. Bon, photo, Caro, parce qu'il y a Eric qui attend. Et après, on va passer voir ma maman. Une mise en abîme, là. Hop. Je ne sais pas ce que ça va rendre, c'est comme mon look. Hein. Oh, je suis sortie comme ça, non mais c'est pas possible, il n'y a rien qui va là. J'ai trouvé une supérette. Maintenant il faut que je trouve le café. Donc moi c'est cool. Ah si, c'est là. Même le nôtre, cool. Impeccable. Est-ce que je prendrais pas des gâteaux? Caro, non. On est dans la pampa, mais il est tout petit, c'est dangereux d'être là. Comment celui-ci? Oh, j'ai jamais vu un chat sauter comme ça. Tu l'as vu? Non. Je lui dis rentre chez toi, il a fait un bond. Je croyais que c'était pas un chat tellement il a sauté. T'as eu de la chance, j'ai failli le ramener.
Mais non, pour la jaquette. T'imagines pas à quel point c'est dangereux. Nous sommes le lendemain. Hier soir, j'ai tout déblayé pour qu'il puisse avoir la place. Je sais plus si je vous ai dit, mais je ne vais pas peindre uniquement ce pan. Je pense que je vais repeindre tout ça jusqu'aux moulures. Et ça, j'aimerais beaucoup qu'Eric le répare, ça serait cool. La console, je l'ai déposée ici. Quant à moi, je vais déjeuner. Eric a déjà déjeuné. Il commençait à 8h. Non, peut-être pas 8h, parce qu'il est 7h46, il est sous la douche. Donc, peut-être 8h15. Et il y a un petit garçon qui attend ça. Oh, t'as eu peur, ma douille. C'est rien. C'est les tartines qui ont sauté. Ah, c'est chaud. Tu commences à quelle heure ? 8h30. À 8h30 ? Bah, ça va, 8h30. Pourquoi quelle heure ? Il est 7h53. Mais je croyais que tu commences à 8h. Non, parce que c'est jury. Ah, t'es en jury, ok. L'heure est grave, les amis. J'en profite, l'artisan est parti entre chercher un autre pinceau. Il a commencé à poser la peinture ici, en soubassement, je sais pas si on dit ça, de l'escalier. C'est pas beau, c'est pas moche, oh le lapsus. C'est particulier, ça correspond pas forcément à la couleur initiale qui est sur le pot. La nana, elle m'a dit abricot que ça allait être au bout de deux couches. L'artisan est un petit peu sceptique. C'est fallait oser, fallait que j'ose le prendre. Je vous montre. C'est particulier. On est d'accord. Voilà. Le rendu est quand même assez brillant et on est déjà bien vert. Hein. Bon, il faut voir terminer avec les meubles et elle m'a vraiment dit la nana que. Que la couleur ici sera obtenue après deuxième couche. Donc, là on voit bien. Donc j'ai envie de la croire. Hein ? Comme m'a dit l'artisan, il fallait oser. Et ici, papier peint d'une autre couleur, enfin un autre vert. Oh, j'ai tellement hâte de voir le rendu avec les éléments déco et compagnie. Il n'en revient pas celui-là. Et je vous remontre le papier peint. Je le trouve très très joli celui-ci aussi. J'attends de voir la tête d'Eric. Focus. Il est 10h28. Moi j'avance trop bien. J'ai reçu 3e article de la box de juin. Et comme vous savez que box le boudoir c'est le souci du détail, je peaufine. Ah ça sonne. J'arrive. Putain mon téléphone. It's too late. Oh, attends j'appelle mais on va se calmer. Je suis un peu essoufflée. Ça va être... Oui, c'est Caroline. Oui, bonjour Caroline. Attendez, excusez-moi, ça, quand je mets pas ma perche, j'ai dû appuyer par inadvertance. Ça zoome les mots. Oui, je vous disais que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer mes achats. Il y a le petit haut que je pourrais pas vous montrer parce qu'il est au sale, mais le reste, je vais vous montrer juste après. Je termine un petit truc avec... je termine 2-3 factures et après je vous reprends. Alors... c'est de pire en pire. Aucun effort en effet, capillairement parlant. Là, il y a tout, puisque forcément, j'ai tout déblayé, donc tout est ici. Eric est rentré. Eric, tu peux nous dire un peu tes premières impressions ? Premières impressions ? Non, allez, dis. Quoi ? Sur la peinture. Ah, sur la peinture, c'est radical. Radical. Et un autre adjectif ? Anglais. Anglais, ok. Donc là, on attend, c'est la deuxième couche a été. Ouais, so British. So British. Deuxième couche a été faite. Moi j'aime bien. Ça évolue en fait, ça a complètement évolué. Ça fonce, ça se matifie un peu. Et là, le papier peint est quasiment terminé. C'est joli. Évidemment, je vais vous montrer, mais là on va manger le midi. Parce qu'Eric, il n'a pas. Tu reprends à quelle heure, tu m'as dit ? 13h30. Ouais. Alors, attends. À 13h30, il faut que j'y sois depuis. Ah ouais ? 13h20, il faut que j'y sois. Je pars à 13h10. Parce qu'il est toujours en jury, enfin il fait passer les examens. Quoi. Donc de la sécheresse. Et puis aux États-Unis, New York, New York, c'est ça. Un petit peu. Bon, il est presque 14h. L'artisan est parti, il revient demain matin. Et je suis en mesure de vous montrer le papier peint et la peinture. Alors, voilà, ça c'est le papier peint qui ressort plus clair à la caméra. On dirait presque du tissu, c'est très joli. Enfin, franchement, vraiment très très bien. Ça, on va changer l'interrupteur. Attends, si je me mets ici, je pense que vous allez mieux vous rendre compte. C'est joli, hein. C'est très 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 joli. C'est pas totalement sec, ça se voit. C'est pour ça qu'il reste encore un peu clair. Si je me mets ici,
Donc évidemment, il faut imaginer avec tous les éléments décoratifs. Et là, si je me mets comme ça, et ben vous allez voir la différence de couleur. Je voulais vraiment que ça fasse donc le blanc, le foncé et plus clair. Là, on va acheter une nouvelle applique. J'aimerais l'avoir dans les tons dorés. Et ce qui va se passer, c'est que Eric m'a dit qu'il rentrait normalement vers 3h30. Il est jury, comme je vous ai dit, donc vers 3h30, il serait là. On repart sur Chartres chez Conforama parce que demain, on n'a pas les miroirs des salles de bain. Et demain matin, il va poser les meubles de salle de bain, donc sans le miroir, c'est embêtant. Donc on va acheter les deux miroirs en espérant qu'on trouve. Ça, normalement, on va changer. Celle-ci, ici, comme je vous ai dit, l'applique là-haut. Et c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. En ce qui concerne mes achats que je devais vous montrer, je pense que ça sera dans un autre vlog parce que le temps de faire le montage, le machin, le truc, ça va aller vite. Et évidemment, on est d'accord que j'ai vraiment hâte de mettre tous les éléments. Alors, je ne sais pas si je mettrai une console plus claire comme dans les blancs ou si je remettrai noir. Ça, c'est le plus hein, quand t'as plus que la déco à faire. Et par la suite, parce que bon, je ferai moi-même la peinture là-bas sur ces deux portes et peut-être également à l'étage. Mais j'ai regardé comment il faisait, il était sympa, il m'a expliqué, donc il faudra bien nettoyer les murs avant, bref. Donc voilà un petit peu l'avancée. Je vous dis donc, ça résonne de vous, à demain ou après-demain pour la suite. Travaux, parce que comme je vous disais, c'est pas terminé. Et cette fois-ci, je ne pas, je vous montre mes achats dans le prochain vlog. Bisous, merci. J'espère que cette petite suite de vlog vous plaît.